政府和民间的青睐。2018年的农历新年，我们已经走进了上海新大区的维尔市，一起来看一看这里。上法兰西大区主席 Xavier Bertrand 和中国驻法大使翟俊致辞道。祝大家狗年大吉，阖家幸福，诸事顺遂。几年间，中国跻身美德、比利时等传统在法投资国家，30多家中国企业为上法兰西大区创造了2000多个关键的就业岗位，使之成为中国投资者最为青睐的法国第二大区。C'est la deuxième année que l'on fête le Nouvel An chinois ici. C'est l'ensemble de la région, l'ensemble des habitants de la région qui sont heureux de souhaiter une très bonne année à nos amis chinois. Nous avons aussi l'occasion de mettre en avant la culture chinoise, les arts chinois, et puis aussi de mettre aussi en avant la province de Xinjiang, laquelle nous formons le vœu qu'au-delà des lettres d'intention, nous puissions nouer un jumelage, un partenariat stratégique. Lisez, parlez avec des Chinois et vous verrez la richesse de l'histoire chinoise. Et vous comprendrez peut-être mieux la Chine. Et ça qui est très important, parce que la nouvelle année, c'est bien. Comprendre nos amis chinois, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Je suis un ancien ministre de la Santé, mais des vœux de santé, bien évidemment. Bonne année. 首位现役来欧加盟法甲的北京男排国手刘立斌现身贺岁，本周末是他生日，他在与大区主席、中国驻法大使进行礼物互动之后，对自己和在法学生寄语道：首先还是希望家人能够继续像以前一样身体健康，这个是我最大的牵挂吧。国家队的任务比较重，今年有亚运会、有世锦赛、有很多的比赛，然后也希望自己能在这些比赛里面能够帮助到国家队，然后也希望能够在法国继续能够提高自己，希望来这边留学的学生呢，也一定要保持一颗积极向上的心吧。因为一开始我来的时候也跟大家一样，充满了忐忑，充满了未知，但是路还是要一步一步走。希望大家能够走出自己美好的未来。生日快乐！好，大家祝贺岁！快乐！记者王尼南，里尔报道。